Ladies and gentlemen, this is Turkish Radio. İmparator efendim. Paris'teki Türkler.com. Paris'teki Türkler.com. Paris bölgesinin vazgeçilmez mekan tanıtım sitesi. Evinizde, cebinizde, her zaman, her yerde. Paris'teki Türkler.com sizinle. Sizinle. Quand il y a des gens qui viennent, des Turcs, qui viennent me raconter, par exemple, ou des Franco-Turcs plutôt, qui viennent me dire, ouais, mais Juppé, c'est le moins pire. Mais vous êtes des lâches, mais vous êtes des lâches. On fait pas la prière en turc, on fait la prière en arabe. Voilà, je suis français, et ça se récite. En arabe, ça ne se récite pas en français, et encore moins en turc. Donc, l'appel à la prière, c'est en arabe. On aime ou on n'aime pas, c'est comme ça, sinon on n'est pas musulman. Ils ont pendu, ils ont tué des gens parce que des imams refusaient de faire l'appel à la prière. Ils ont été chassés, ils ont été persécutés. C'est ça que vous voulez en Occident, c'est qu'on est persécuté en fait les musulmans. C'est ça qui vous dérange. Et donc c'est pour ça qu'on l'en prend, en Europe, on dit oui, c'est un modèle, Mustafa Kemal, parce que c'était l'ennemi de la religion. Eh bien, en cela, moi, je le condamne. France, même si tu aimes la France. Non, mais ça, attendez, il y en a qui ne m'ont pas suivi, vous n'avez pas compris. Quand j'ai dit que j'allais être candidat à la primaire pour la France, c'était pas pour moi. Moi, mon projet est toujours de partir en Turquie. Hein. Ça n'a pas changé, les gars. J'y allais pour mener mon dernier combat. J'ai dit, j'ai donné 20 ans en politique. J'étais au combat. Le dernier combat que je pourrais mener, c'est celui-là. Comme il dirait un ami africain, ceux qui sont en politique, c'est que les médiocres. Les bons, ils vont dans l'entreprise. Mais vous n'allez jamais voir des mecs qui sont bons dans l'entreprise vouloir aller en politique. Mais pourquoi faire pour aller voir des médiocres? Voilà, désolé pour ce désagrément, ce contretemps. Alors je vous explique un petit peu ce qui se passe pour que vous soyez chacun au courant et pour pas qu'on vienne nous dire « Oui, ils m'ont mal... La radio, PMG, Paris Impolator FM, m'a mal accueilli ou quoi que ce soit, chose que je ne pourrais accepter. Donc je résume, hein, puisqu'on n'a pas réussi à obtenir une biographie de Mourad Ghazali. Je vais résumer. Je l'ai contacté il y a quelques jours, suite à ses messages répétés qu'il fait sur Facebook, hein, en disant qu'il est proche de la Turquie, qu'il va partir en Turquie et voir tous les Turcs qui le suivent. Je trouvais intéressant de l'inviter avec nous pour qu'on parle avec lui, qui s'exprime et qui se présente. Et voilà, que turc ou pas turc, on apprenne à mieux le connaître. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme j'aurais souhaité. Hein. Il est bienvenu à l'heure, il n'y a aucun problème, je le remercie. Nous avons mangé un petit quelque chose, l'accueil turc comme il se doit. On a bien un petit quelque chose et on a commencé à l'émission. Et déjà, dès le départ, je voulais parler un petit peu du Burkiné, comme on fait tous les lundis, hein, dans 8h30 à 9h, on prend un sujet et on discute, comme ça, des faits divers qu'il y a en France, hein, pour que la communauté turque, qui ne suit pas forcément ce qui se passe vraiment en Turquie, en France, sache ce qu'il en est, et puis comme on parle français en même temps, bon, on leur explique à tout ça. Et déjà là, il a commencé un petit peu à être en désaccord et un petit peu, disons, à son portée, dit un petit peu, disons, pas grand-chose. Hein, donc, ça, c'était impeccable. Et arrivé au moment des présentations, je lui ai demandé de se présenter, de nous faire sa petite biographie. Et qu'il nous explique qui il était, de sa propre bouche. Bon, bien sûr, moi, j'ai ce qu'il faut sur lui. Je pourrais lui dire, voilà, Mourad Ghazali, t'as fait ci, t'as fait ça, et ainsi de suite. Mais je préférais qu'il le dise lui-même. Il était un petit peu surpris, il a commencé à me dire « Oui, je suis né à Aubagne, près de Marseille, j'ai fait ci. » Il est parti après sur un débat sur les régionales, et sur ceci, cela. Et du coup, Linda, alors qu'on soit bien d'accord, hein, Linda, c'est une franco-algérienne, comme lui. C'est pas franco-turc ou quoi que ce soit. Et c'est permis d'interrompre, on dit « Écoutez, votre Ghazali, vous êtes gentil, mais c'est votre biographie qu'on vous demande. C'est pas un débat sur la région ou quoi que ce soit. » Sur quoi, Mourad Ghazali n'a pas du tout apprécié l'intervention de Linda. Et a commencé à lui dire, de toute façon, vous êtes, comment déjà Linda, ce qu'il a dit ? Une imam, une femme imam, c'est ça ? Oui, une femme imam, oui. Une femme imam. Une femme imam qui vient lui expliquer l'islam. Voilà. Avant de commencer notre débat, je voulais un petit peu parler, avoir ton opinion, parce que tu es un homme,
et ensuite avoir l'opinion des filles concernant le débat qui secoue pas mal la France en ce moment. C'est ce foutu niqab. C'est ce foutu niqab. Oui, le niqab, c'est le niqab, pardon, le burkini. Voilà, le dérivé du niqab pour pas aller dans l'eau, quoi. Hein. Donc, le burkini, il y a un débat monstrueux en France, je ne comprends pas. En Turquie, les gens, ils sont burkinés, ils sont normales, ça pose pas de problème, ici, ça va pas. En Turquie ou en string aussi, parce qu'ils sont libres aussi de porter le string en Turquie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Donc, toi, en tant qu'homme, qu'est-ce que tu penses de burkini, de tout le tapage médiatique qu'on fait dessus? Ben déjà, je peux pas raisonner en tant qu'homme. Je raisonne jamais en tant qu'homme. Ah bon? Non, je raisonne en tant qu'homme quand ça me met dans le cadre de ma vie privée, en relation que je peux avoir avec mon épouse, une relation tout court. Mais quand je suis sur la position politique des choses, je suis entre guillemets asexué. C'est-à-dire, je ne vois pas les choses en tant qu'homme masculin. Mais tu penses comme un homme? Tu penses pas comme une femme, rassure-moi. Non, c'est que je peux pas réagir de façon sexuée. C'est pas possible. Donc, je réagis en tant qu'asexué, puisque Le principe même de faire de la politique, c'est parler aux femmes et aux hommes. D'accord. Donc si tu réagis déjà en tant qu'homme, déjà tu te coupes d'une partie de la population. Maintenant sur le fond, sur la question, on a bien vu que pendant tout cet été, on a focalisé, moi je reste sur l'axe numéro 1, c'est la liberté de disposer de son corps. Et en France, on a des textes de loi que si la personne est contrainte, il y a des infractions pénales et les personnes sont poursuivies. Quand je vais à la plage, je ne regarde pas mon voisin savoir si elle porte le string, si elle porte le burkini, si elle porte un t-shirt parce qu'elle a la peau trop fragile. Ça ne dérange pas. Donc c'est. Mais c'est moi, je suis pour la liberté. D'accord. Moi, je suis pour la liberté. D'accord. Bon, on va demander aux femmes. Alors bon, je pense que les femmes vont parler en tant qu'asexuées, enfin, qui ne sont pas asexuées, qui sont sexuées. Mmh. Moi, particulièrement, je ne peux pas parler en tant qu'asexuée. Alors, surtout sur. Alors, c'est Linda qui parle. Surtout sur l'histoire du burkini. Donc, moi, je vais parler en tant que femme. Moi, le burkini, en tant que femme et musulmane. D'accord. Moi, le burkini, en France, ça me gêne. En Turquie, ça ne me gêne pas. Moi, ça fait 32 ans que je vais en Turquie. D'accord. Donc, la Turquie, je la connais. Pas autant qu'un Turc, parce que je ne suis pas Turc, mais je la connais. Et moi, voir des femmes en burkini en Turquie, j'en ai déjà vu sur les plages. Mais c'est une minorité et ça ne me gêne pas. Maintenant, sur une plage en France, ouais, ça me gêne. Oui, ça me gêne parce que en France, depuis quelques temps, ça m'est déjà arrivé, quand on ne fait pas le ramadan et qu'on est une femme, on est jugé. Quand D'accord. on est un homme, on n'est pas jugé, hein, ça c'est sûr. C'est pour ça que les hommes, ils vont voir le burkini autrement. Maintenant, si les hommes musulmans mettaient le burkini, moi ça ne me gênerait pas, hein, c'est sûr, hein, je suis une femme. Ah ouais, les bonnes celles-là. Mais maintenant, je suis une femme. Moi, je me vois bien le burkini. Voilà, mais moi, je suis une femme et ça me gêne, voilà. D'accord. Parce que je suis en France. Alors toi, en tant que femme, donc franco-algérienne, ouais. musulmane, toi, ça te gêne que le burkini sur les plages. D'accord. Oui, ça me gêne. Ok. Toi, Pakizé, on va faire en sens inverse. Donc, tu es une femme franco-turque et musulmane. Une française, turque, musulmane. Est-ce que toi, qu'est-ce qu'on pense, toi ? Quelle est ta pensée ? Ce que j'en pense honnêtement, franchement, c'est un peu confus parce que d'un côté, ça pourrait me gêner. Ouais. Maintenant, quand je vais à la plage avec ma mère, qui se couvre les bras, les manches, la tête, ça ne me plairait vraiment pas de me trouver face à des policiers qui lui font enlever son manteau. Oui, mais attends, non, mais le burkini, c'est autre chose. Le burkini, je sais bien que c'est autre chose. Tu l'as déjà vu, je pense. Oui, j'en ai déjà vu. D'accord. Le burkini, c'est le maillot. D'accord. D'accord, c'est le maillot, mais qui couvre de la tête aux pieds. Mais l'interdiction du burkini, elle est allée un petit peu au-delà. Il y a eu l'interdiction de se trouver sur les plages entièrement vêtue. Ça va jusque-là, c'est ça qu'il faut souligner. Moi, ça me gênerait. Je suis à la plage avec ma mère, qu'on vient de nous casser les pieds pour déshabiller ma mère, qui avait fait quand même deux fois son pèlerinage à la Mecque. Ça me plairait vraiment pas. Après, moi, le porter, non, certainement pas. Maintenant, voir des femmes le porter, est-ce que ça me gêne pour aller dans l'eau? Faut savoir que c'est une matière tellement... Enfin, c'est comme un maillot de bain, quoi. D'ailleurs, une fois qu'on rentre dans l'eau et qu'on sort avec, toutes les parties qui doivent être cachées sont complètement encore plus visibles. Ça attire encore plus l'attention. Ah, ça, c'est vrai. Ouais. Et c'est là-dessus que je trouve que c'est pas très cohérent, quoi.
D'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai pas trop... Donc tu es mitigé. C'est... Je suis mitigé. Ni pour ni contre. Je suis... Je peux pas dire je suis pour, je peux pas dire je suis contre. D'accord. Bon, bah tu vois, déjà, on a trois versions différentes pour le même débat. Et toi, Yaminé ? Pareil. C'est-à-dire ? Tout pareil. Je l'apporterai pas, mais j'ai déjà vu, parce que moi, même en Turquie, j'ai des cousines... qui mettent le burkini et je leur ai déjà dit attends tu caches quoi là parce que quand tant que c'est pas mouillé on voit pas les tétons on voit pas les parties non mais il faut être je vais parler voilà. Et quand ils sortent de l'eau et ben c'est pire que le maillot. Ok, nous on voit notre peau parce bien qu'on sûr. Est en bikini on maillot une pièce mais eux c'est tellement collé que ben on voit tout le corps tous les défauts. Mais là, les filles, on ne vous demande pas le burkini en Turquie. On vous demande non, mais le burkini moi, en France. Non, mais même en France ou en Turquie. Même en France non, mais il y a une Turquie. Nuance pour moi. Mais moi, nous, on ne la fait pas, la nuance. Moi, je ne la fais pas. Moi, je suis turque. J'ai jamais pris la nationalité française. Ça ne changera pas ma couleur, comme je disais aux policiers. Non. Donc, moi, je parle autant que turc, vivant en France. D'accord. Et moi... Je suis désolée, même mes cousines, quand ils mettent leur burkini qu'on est à la plage, eh ben, je suis désolée, je suis encore plus gênée parce qu'on voit tout le truc parti de leur corps. Je t'ai dit, les tétons non, et tout. Moi, ce que je veux dire, en fin de compte, c'est que... Eh ben, en France, c'est pareil, si elle sort de la plage, elle sera pareille. Les Eminem, s'il te plaît. En fin de compte, moi, non, c'est pas ça, c'est qu'en fin de compte, moi, le burkini dans un pays musulman ne me gêne pas. Voilà. Alors moi j'aimerais revenir sur une chose qu'a dit Mourad. Il a dit une chose qui est très intéressante. Il a dit si tu te promènes nu, torse nu sur la plage, enfin un petit peu sorti de la plage, hein, dans la ville, quoi que ce soit, tu as une amende parce que tu n'as pas le droit de te promener nu sur la plage. Mais ça c'est pas qu'en France. Oui, pas d'accord. Je parle de la ville. Imagine, tu te dans promènes. La ville. C'est une ville plagiaire, tu d'accord. Tu te promènes dans ce cas complètement nu sur une plage publique, d'accord. Complètement nu. Voilà. Awal Penadine. D'accord. Tu te promènes, tu as une amende parce qu'effectivement tu n'as pas le droit de gêner la vue des autres par ton et par tes attributs. Bon, y a une loi sauf pour la Gay Pride. On est d'accord. Sauf est la d'accord. Gay Pride, a priori, c'est accepté. Oui, mais ça, la Gay Pride ou les ils nudistes, yeux, ils ont, hein. Ils ont leur. Ils ferment les yeux, comme tu as dit parce tout à l'heure, ils sont habillés un peu en flic. Mais je pense que. Mais j'aimerais juste terminer, ouais. Mourad, s'il te plaît. C'est que tu as dit une chose, c'est que c'est interdit. Ok, je suis d'accord. Parce qu'on a décidé qu'en France, on ne pouvait pas faire tout et n'importe quoi. On a décidé qu'en France, on pouvait tolérer certaines choses, on ne pouvait pas les tolérer. Maintenant, à l'inverse, se promener ou nager complètement fermé, à l'inverse, hein, je ne parle pas de tout nu, mais complètement fermé, je trouve également que ça devrait être interdit. Parce que c'est, autant on peut pas, si on dit je dispose de mon corps, c'est ce que les femmes féministes en général disent, je dispose de mon corps, j'en fais ce que je veux. Dans ce cas, on devrait autoriser que les gens puissent se promener tout nu. Pourquoi ça gênerait dans ce cas-là Oui, parce qu'à la nudité... Moi, ça me gêne autant de voir une personne avec nue l'habillement. Moi, que comme ça, complètement fermé. Et là, je suis content de ne pas être en accord du tout avec vous tous là-dessus, c'est que vous êtes là à porter des jugements de valeur. Pas moi, du tout. Pas une seule fois, je vous ai dit j'aime ou j'aime pas, parce que ce que je pense. Mais toi, t'es assez chier, gens... c'est pour non, ça que tu dis ça, c'est pas le temps politique. Les gens n'ont rien à foutre. Non, mais parce que le danger, c'est vous. C'est-à-dire que si à partir du moment où tu dis aux gens « ça me plaît pas et je souhaiterais qu'ils soient interdits », tu violes la j'ai liberté pas dit individuelle. Ça. J'ai dit simplement qu'il y a des lois, des lois interdites. La liberté individuelle, pour moi, s'impose au collectif. Ça veut dire que moi, par exemple, on voit aujourd'hui des pantalons américains où on voit la culotte des gens quand ils se baissent. Mais je déteste pas leur cul. Ça. Attends, je déteste ça, mais c'est leur liberté. Et ce que je pense, en gros, je veux dire, si on est dans un état de droit où la liberté prime avant tout, on n'en a rien à foutre de ce que je pense. Donc si on commence les uns et les autres à vouloir interdire les autres, sous prétexte que je lui vois les tétons, sous les prétextes que ça me plaît pas. On n'a jamais que dit qu'on voulait que ça soit interdit. J'ai juste encore. Dit qu'on voyait moi, je les me tétons. Dis que déjà, porter un jugement de valeur sur la tenue, c'est déjà, je veux dire, violer l'espace privé de la personne. Alors, là, moi, je dis que chaque femme doit disposer de son corps. Excusez-moi, ne dites pas ce qu'on n'a pas prononcé. On n'a pas dit qu'il fallait que ça soit interdit, monsieur Mourad. On n'a pas. Non, on n'a pas dit qu'on voulait que ça soit interdit déjà. Donc, il ne faut pas prononcer ce que n'a pas dit. Non, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement... Moi, ça me gênait de non, voir. Non, vous jugez. Voilà. À partir du moment où vous jugez... Non, ça je dérange. Juge pas, si, vous jugez, non. J'aime pas. Mais ça j'aime dérange. Pas. Et alors bah, on s'en fout de ce que vous jugez. Bah, vous aussi, il y a des choses non, que vous aimez non, pas. Non, mais rappeler. C'est pas ça. C'est parce que quand... C'est notre liberté on individuelle de aussi vie, de la vie de la cité, parce que c'est ça la question de la vie de la cité. Je veux dire, on se moque de ce que veulent les individus. Ce qui compte, c'est le collectif. Et dans le collectif... Il y a la liberté individuelle de chacun de disposer donc, de son Mourad, corps. Si je... Point barre. D'accord. Et si chacun voulait commencer à dire oh ben ça j'aime pas, oh ça j'aime pas, et ça j'aime pas, on est dans un monde uniformisé.
Mais si elle veut se porter un bikini, je vois pas pourquoi je lui dirais alors, ah tiens, si son mari le porte aussi, je serais d'accord. Non, non, mais vous allez trop loin. Non, non, vous allez, moi je te retourne le truc. Moi je reste superficiellement et je parle pas de religion là-dedans. Morad, personne ne parle de religion là. Parce que je condamne le système. Personne ne parle de religion là. Je condamne l'Arabie Saoudite qui est pour l'uniformisation. C'est-à-dire, l'Arabie Saoudite, t'aimes ou t'aimes pas, tu pratiques ou t'aimes pas, il te dit ta tenue c'est comme ça. D'accord. Et il dicte à la femme ce qu'il doit faire. Mais moi, si à l'inverse, en France, où on dit qu'on est contre ces valeurs, on dit que la liberté individuelle prime là-dessus. Comment moi je pourrais dire de la même manière de disant, attention, moi la liberté individuelle de la femme, c'est ça, mais sans ça, mais sans non, ça, attends, attends, et attends, sans attends, ça. Attends, le principe de liberté n'a pas de principe dérogatoire, par Morad, définition. Morad. Donc si je suis ta logique, le principe de liberté individuelle prime sur le collectif, c'est ce que tu viens de dire. Oui. Donc moi, si demain je décide, à mes 53 ans, de me promener tout nu parce que c'est mon choix individuel, tu dois l'accepter dans ce cas-là. Tu peux le faire dans des lieux prescrits. Pour... Bah, t'as des boîtes pourquoi ce travail-là pour moi et pas pour t'as des boîtes de naturistes, t'as des restos naturistes, tu as des supermarchés, t'as des campings de naturistes. Et pourquoi ce serait valable pour moi et pas pour le burkini? Mais non. Parce que la nudité. Non, je suis désolé. Excuse-moi. Alors je donne un exemple. Te voir toi avec ton popov, je sais pas comment tu peux l'appeler, nu devant un enfant. Excuse-moi, tu violes l'espace de l'enfant là dans ces cas. Mais écoute, mais la femme qui est... j'ai jamais vu un enfant parce qu'il était, tu vois, voilà, moi, perturbé. Écoute, et tous les sexes, attends, tous les anthropologues, accepte tous les sexuels, que la personne... vous le diront que même pour les parents, il est on a pas interdit quoi. On déconseille que les enfants, les parents se mettent en nu. Ce qui me plaît dans ce débat là, c'est qu'on a, disons, un homme asexué. Bon, c'est le mot qu'il a utilisé. Bon, c'est asexué. Mais moi, c'est ton opinion d'homme que je veux, mais tu peux pas me le donner. Mais bon, c'est pas grave. Parce qu'on en a rien à foutre. Mais non, moi, j'en ai pas rien à foutre. Parce que j'ai un peu de pudeur sur mon espace privé. D'accord. Et que tout ce que. Mes fantasmes, mes trucs, tout ce que tu veux, etc., je les garde dans ma sphère privée. Racontez tout, on va écouter. Voilà. Donc, je suis Brigitte Lahaye, tu m'as pas appelé pour faire Brigitte Lahaye. Moi, je savais pas pourquoi on vous a appelé. Non, non, mais j'ai une certaine pudeur qui fait que mes sentiments personnels, je les garde personnels. D'accord. Et surtout, sur ces questions-là, et même sur la question religieuse. La question religieuse, où je m'interdis, j'ai déjà fait des posts là-dessus, où j'en voulais ce que j'appelais aux imams 2.0, c'est-à-dire qu'ils viennent, il y a tout le monde qui est imam maintenant sur Facebook, ouais. Tout le monde a des visions sur tout, etc. Donc je dis toujours, moi j'ai toujours séparé, je parle du citoyen de confession musulmane dans le cadre, je veux dire, de le cadre de la vie de la cité, mais en aucun cas je parle de religion, parce que je dis, c'est quelque chose de tellement de sérieux qu'il faut laisser les savants et des gens qui ont la connaissance pour pouvoir en parler. Bon, alors, n'ai pas cette connaissance et j'ai pas cette prétention d'avoir pour résumer, cette on va parler quand même. Et je laisse aux savants, aux vrais imams, entre guillemets, pouvoir parler de religion. Là, la question que j'étais posée, c'était pas sur le côté religieux, savant ou pas savant, c'était humainement parlant. Est-ce que on peut accepter, juste humainement parlant, parce que là, on est tous des musulmans, mais je me mets à la place des chrétiens. On vit dans un monde, dans un pays de chrétiens, dit chrétiens, ou à majorité chrétienne. Majorité athée, mais bon, c'est la première. C'est quand même la religion chrétienne, quand même. Hein. Donc, moi, je me demande, est-ce que depuis 1905, non, c'est ça que vous ne voulez pas le comprendre. Tu peux pas avoir fromage et dessert. Mais tu juges. Tu juges quand tu dis majorité athée. Comment? Tu juges quand tu attends. C'est un jugement. Vous avez des chiffres, c'est des études. C'est non. Moi, je parle avec. Il y a eu des études. C'est exactement ce que vous venez de nous reprocher. Il y a des études, mais c'est pas un reproche d'être athée. C'est pas une critique. Je vois pas le rapport avec le jugement de valeur. J'ai donné un constat. Dire qu'il y a beaucoup d'athées. C'est pas parce qu'ils ne sont pas pratiquants qu'ils sont athées. C'est un jugement de valeur que vous venez de porter. Non, il y a des chiffres. Si j'avais su que c'était là-dessus, je serais apporté mes chiffres. Non, non, il y a des enquêtes de l'INED. Là, c'est l'aparté. C'est l'aparté au début de l'émission. Oui, alors donc je répète. On est dans un pays, à partir du moment où tu as 1905, c'est-à-dire jusqu'en 1905, on était un pays chrétien. À partir de 1905, c'est terminé. D'accord. La France ne reconnaît pas. L'État est indifférent. Bon, on est d'accord, mais on est quand même dans un pays à majorité chrétienne. Il ne... Mais c'est dur, hein. Bon. L'État, à partir de 1905, il ne reconnaît plus une religion parmi tant d'autres. Alors, l'État est neutre. L'État a décidé de mettre de côté la religion. C'est-à-dire la religion ne vient plus au pouvoir. Alors, écoutez, contrairement... Donc, il n'y a plus de chrétienté. Contrairement à la Turquie aujourd'hui. Il n'y a plus alors en France. Mais ça n'a rien à voir. Elle bah, te tu dis, il n'y a pas de chrétiens. Mais et non, des elle musulmans. Te dit l'État. Tu peux pas dire quand tu dis. Non, moi je te parle pays, de la France en général. Qui est en France, qui est non. Mais non, bah, parce écoute, que l'État. Il y a plus de chrétiens en France que de musulmans. L'État, c'est la somme des individus de français. Okay, et donc l'État n'a pas de religion. Mais je parle pas de l'État. Je te parle des Français. Je parle des Français en France.
Je ne parle pas de l'État. Pourquoi tu ramènes-toi à l'État? Mais parce que c'est ça qui nous régit. Non, moi je parle des Français. Si on dit on enlève 1905, on redevient un pays chrétien. Ok, donc dans ces cas, on est un pays chrétien. D'accord, ok. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup sur YouTube, qui s'appelle Serhat. Et je tenais à le présenter à mes compatriotes qui ne le connaissent peut-être pas. Toi, tu es sur Facebook, tu es très très suivi. Et lui, sur YouTube, il est grave suivi. Alors c'est un Turc, d'accord? Je l'adore ce mec-là, écoutez-le, vous allez voir. Il présente des Turcs. La Turquie, c'est plus de 75 millions d'habitants, une superficie plus grande que la France, un des premiers pays à accorder le droit de vote aux femmes. C'est un pays laïque, unitaire, à majorité musulmane. Mais bon, vous, tout ce que vous retenez, c'est... Salut à toutes et à tous, je m'appelle Serhat, et bon, vous pouvez le deviner grâce à mon prénom et à ma sale gueule d'étranger. Je suis turc. Bon, à vrai dire, je suis turc et kurde. Mais bon, pour l'instant, on va dire que je suis turc. Histoire de simplifier les choses, surtout pour vous. Et c'est vrai qu'entre les Français et les Turcs, il y a pas mal de choses qui diffèrent au niveau de la culture. C'est pareil pour les autres étrangers. Et donc, comme chaque minorité, on a aussi nos clichés. Donc aujourd'hui, je vais parler des 5 principaux clichés sur les Turcs, et je vais essayer de vous prouver qu'ils sont faux. J'ai bien dit essayer. Le premier cliché, c'est sur la vie professionnelle d'un Turc. Le gros cliché du Turc, c'est qu'à 16 ans, il est déjà fiancé, marié à 18 ans, il a un gosse à 19 ans, et il travaille dans un kebab. Ce qui est vrai pour la majorité d'entre nous. Bon, c'est vrai qu'en France, les kebabs, c'est nous les Turcs qui les avons importés. Donc tu peux me dire merci quand tu manges un kebab le midi. Et c'est aussi vrai que presque tous les Turcs ont déjà tenu au moins une fois un kebab. Mais ça veut pas dire qu'on mange ça tous les jours. Bah vas-y mec, tu veux venir manger chez moi à midi? Ouais, vas-y, y'a du kebab. Mais t'as cru que je mangeais des kebabs durant toute ma vie, matin, midi, soir? Eh oui, Murat Başaran, un artiste que j'apprécie beaucoup. Lors de son concert à Paris, j'ai rencontré, j'ai discuté avec lui. C'est vraiment quelqu'un de très simple, très humble, et qui est vraiment au service des personnes avec qui il croise. Il ne fait pas l'artiste, genre il ne connaît personne. Voilà, si tu nous entends, Murat Başaran, bah écoute, je t'apprécie comme gâteau aussi. Alors, on va arriver directement à notre invité. On va quand même commencer, Murat. J'aimerais que tu qu'on commence par te présenter. Donc j'aimerais que tu nous dises un petit peu ton parcours, ta petite biographie. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent? Et puis on attaquera après directement. Donc microphone. Ben, c'est simple. Je suis né à Aubagne, à côté de Marseille, ville de Marseille-Pagnol. J'insiste parce que je suis un régionaliste, je suis un anti-jacobin, je suis un girondin. Et qui est dû immigrer sur Paris, puisque j'étais en équipe de France de judo. Et tu dis immigré, toi? Voilà, immigré de l'intérieur, je dis, moi. D'accord. Je suis un immigré de l'intérieur, parce que ça a été vraiment une immigration d'aller sur Paris, tellement il y a une fracture totale entre la culture, la mentalité et tout ça, entre Marseille et Paris. Déjà, il y en a une, déjà, entre la province, déjà, et Paris, et c'est pour ça que c'était important que je précise le côté girondin. Et parce qu'il n'y a pas d'identité française. Il y a une superposition d'identité régionale. Et chacun, les uns les autres, tu vas voir le basque, il ne va pas te dire je suis français en premier, il va dire je suis basque. Le corse va dire je suis corse. Le breton va dire je suis breton. L'alsacien va dire je suis alsacien. Donc ça veut dire parce que, à la différence de tous les pays, autres pays européens, les autres pays européens ont respecté les régions. Et ce sont ce qu'on appelle les États. Ils font un État fédéral. Voilà. Comme en Allemagne, il y a des élections régionales. En France, non. C'est un État centralisateur. C'est le haut qui décide pour le bas. D'ailleurs, tout est centralisé, on le voit bien. Hein. Les médias sont à Paris, les reportages sont faits sur Paris. Nos compatriotes d'outre-mer, on n'en parle même pas, sauf s'il y a un tsunami. Biographie, je ne pense pas que ce soit ça. Hein. Parler de vos biographies, puis après on va débattre sur d'autres choses. Mais si à chaque fois on part sur un débat, ça n'a rien à voir, monsieur. C'est pas ça. Ne rentre pas dans ce rôle-là. Bon, Linda, laisse faire. Je vais les interrompre quand j'ai besoin. Mais effectivement, quelque part, là, on parle de ta biographie. C'est donc quand tu expliques
aux gens qui tu es, d'où tu viens. Après, on peut rentrer dans les régions, les débats et ainsi de suite. Bon, mais on n'a pas tellement parce que c'est ce qui constitue mon identité. D'accord, quand tu mais parles de biographie d'une personne, c'est ce qui constitue mon truc. Sinon, allez sur Wikipédia, allez écrit, vous allez sur Internet, vous allez sur Google, vous n'avez pas besoin de moi, tout est écrit sur Internet. Vous voyez, je ne comprends pas ton truc. Non, mais parce que ce que j'ai un truc. Tu n'aimes pas quand tu coupes ta parole, quand tu dis écoute, on te demande. Mais non, mais c'est la première fois de ma vie qu'on arrive, qu'on te dit vas-y, trace, etc. Bon, je suis né en 1974 au Bagne. Non, c'est pas ça, monsieur, c'est pas ça la biographie, c'est pas ça la biographie. Mais qu'est-ce qui t'arrive, moi? Non, mais j'ai un professeur là. Non, je suis pas professeur. J'ai une femme qui te dit. J'ai une imam femme qui vient tout à l'heure nous expliquer ce qu'était l'islam, sa vision de l'islam, et maintenant elle va m'expliquer à moi qu'est-ce que c'est une biographie. Une imam femme. Imam femme. Excusez-moi, elle est où l'imam femme? Ouais, tout à l'heure, oui. Qui tout à l'heure? Oh là, biographie. Quoi, où tu vas? Mais c'est pas un problème. Tu refais ce débat? C'est pas un débat, venir m'emmerder. Mais on t'emmerde pas, on t'a invité ici, on te pose des questions, tu pars sur des sujets, on te regarde, je sais pas où est le problème. Je m'appelle, je te dis, la dernière fois. Non, mais si tu veux partir, tu t'en vas, il n'y a pas de problème. On t'invite ici pour discuter avec toi, tu refais ce débat. Il faut qu'on aille dans ton sens, je suis pas d'accord. Tu es là, t'as dit que c'est pas une biographie. Bah non, c'est vrai, elle te demande. L'autre, elle a un prénom déjà. Je me permets pas de vous parler comme ça. J'en reviens pas, la gâteau. Non, mais je comprends pas, ça a duré 30 secondes. Mais c'est refuser le désolé, débat. Désolé, mais moi, la biographie, c'est on pas... On sait lire aussi, on sait aller sur Wikipédia et lire. On vous a pas invité pour lire Wikipédia. Bon, écoutez. Alors, les amis, écoutez, ça a duré 15 secondes. Record battu. Mourad Ghazli n'a parlé que 15 secondes. J'y crois pas. Non, mais moi, excusez-moi, mais la biographie, c'est pas... Non, mais attends. Voilà. Bon, tu as raison. Je qui se présente, c'est tout, ça viens, s'arrête Mourad, là. Viens. Viens. Mais moi je veux pas. Moi c'est la première fois que c'est la première fois que je fais de la radio. Bon, hein, attends, voilà, on va mettre un peu de musique pour essayer de retrouver notre invité. Alors bon. Allez.